Bonjour à tous. Alors, je vais vous proposer un petit tuto donc avec les produits que j'ai achetés chez Bibi Craft, donc pour faire des petits pompons, donc avec les petits anneaux et des petits crochets, donc un petit peu dans le style de celui-là. Alors j'ai eu un petit souci avec la vidéo, il n'y avait pas de son, donc je vous mettrai de temps en temps un petit peu de musique. Pour passer un petit peu un bon moment. Voilà. Donc voilà, maintenant donc que j'ai tout découpé, donc j'utilise mon pistolet à colle. Donc bon, je fais attention parce que la pièce est petite, donc je mets un petit peu de colle à l'intérieur. J'essaie de pas trop en mettre parce que sinon ça risque de déborder. Et ensuite je peux insérer avec mon pic donc la petite pelote que j'ai fait. Oui, c'est chaud, effectivement. Je confirme. Donc, je vais tout doucement. Donc voilà. Donc voilà, maintenant je vais prendre mes petites pinces donc pour pouvoir rajouter mon anneau et ma petite attache. Donc pour cela, je sépare un petit peu mon anneau, j'insère mon petit pompon. Donc avant de refermer, je vais remettre ma petite attache donc pour me permettre de justement de le rajouter à mes créations. Donc là je choisis la même couleur que mon anneau, couleur dorée. Voilà, je l'insère et je peux refermer mon anneau.
Voilà. Un premier pompon. Donc maintenant, on va faire un petit essai avec la petite cordelette donc qui vient de chez Action. Donc là, je vais devoir couper des petits morceaux. Donc, vous inquiétez pas, j'ai quand même coupé sur la vidéo. Donc là, je prends un petit peu la mesure pour pouvoir découper mes petits morceaux qui conviennent. Donc, hop. Donc voilà, j'ai fini de donc découper mes pièces. Donc là, je vais utiliser de la colle, c'est de la colle de Action. Donc j'en mets à l'intérieur. Voilà. Et donc là maintenant, je vais insérer mes petites cordelettes. Donc voilà, je vous laisse juste en images et en musique. Donc voilà, le pompon est réalisé. Donc là, je vais juste rajouter un petit anneau, tout simplement. Donc on va changer de couleur. On va prendre une couleur argent. Donc comme tout à l'heure, je prends ma pince pour ouvrir. J'insère mon petit pompon. Et voilà. C'est fait. Voilà. Donc là maintenant, on va prendre. Donc c'était du ruban pompon qu'il y avait chez Action. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai acheté. Donc on va tester et puis on va en faire un avec ce ruban. Thank you.
Donc voilà le troisième bonbon réalisé. Donc bon, par contre, hors caméra, j'ai dû recouper un petit peu le haut parce que c'était un peu épais. Je suis désolée. Donc voilà, donc pareil, ma petite pince. J'insère mon anneau, mon petit crochet. Et voilà, le petit bonbon est terminé. J'ajuste un petit peu la laine parce que c'est vrai que je l'ai découpée, mais pas très droite. Donc voilà. Voilà mes trois pompons. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est un petit tuto un petit peu banal, mais voilà. C'était l'occasion d'essayer donc les petites fournitures que j'ai achetées donc chez Babycraft. Donc moi je trouve ça sympa, qu'à chaque fois j'ai jamais la bonne couleur pour mes créas. Bah écoutez, je vous remercie, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite.